Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, mais pour nous, ce n'est pas une pierre d'achoppement. Parce que le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 11, dans la béatitude oubliée, qu'est-ce qu'il dit ici au verset 6 dans Matthieu chapitre 11, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et pour nous, il n'est pas une occasion de chute. Donc nous sommes des bienheureux. Alléluia. Amen. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, cela est profond, bien-aimés. Et nous devons comprendre cela par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse nous faire grâce pour que nous puissions saisir ces choses. Car c'est pour notre bien. Notre Dieu nous aime. Est-ce que vous le croyez ainsi? Il nous aime. Et il nous a élus. Il nous a prédestinés. Dès avant la fondation du monde. Pour que nous puissions croire ces choses. Bien aimé, lorsque Jésus vint, les gens ont vu en lui plus le roi que le sauveur. Si vous lisez dans Jean, chapitre 6, vous verrez à partir du verset 15, nous lisons, il est écrit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Ils ont plus vu en lui le roi, mais ils ont oublié que le roi est lui-même le sauveur. C'est ce que Zacharie nous dit. Dans Zacharie chapitre 9. Nous pouvons lire cela. Zacharie chapitre 9. À partir du verset 9. Nous lisons ceci. Zacharie, c'est avant Malachi. L'Écriture dit. Zacharie 9. Verset 9. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion. Poussez des cris de joie. Fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Viens à toi. Là, c'est la promesse. La réalisation, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 21. Voici ton roi vient. À toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Et au verset 16, toujours de Zacharie 9, l'Écriture dit, l'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour. Donc, le sauveur, c'est lui le roi. Mais eux, ils voulaient un roi qui puisse les délivrer de l'oppression romaine. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur, il est venu sur terre et il a accompli la plus belle chose, la plus belle histoire. Toi qui es ici aujourd'hui, lorsque tu écoutes cela, qu'est-ce que cela fait en toi? Un homme qui a pris ta place. Alléluia. Amen. Il a accepté de mourir à ta place. Mon frère, ma soeur, c'est la grâce étonnante de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, recevez cette grâce. Croyez dans cette grâce.
Alléluia. Amina. La grâce de Dieu, Mungu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais cependant, lakini, Dieu Mungu, est le sauveur Mokozi, de tous les hommes, bote, mais principalement des croyants. Lakini, kwa kipeke, ba, si fou, vous croyez aujourd'hui, mini leo, le salut entrera dans votre maison. Ma, moko, nyumbani, si vous croyez aujourd'hui, mini leo, le salut entrera dans ta vie. Moko, maisha, ni mwako. Alléluia. Amina. Et si nous repartons dans Esaïe, Esaïe 8. Là où nous étions, vous verrez maintenant ce que dit l'écriture au verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples, scelle cela, alléluia, amina, mais parmi mes disciples. Amen. Amina. Lorsque les catholiques voient Jésus, ils le voient comme la deuxième personne au sein de la divinité. Lorsque les témoins de Jéhovah voient Jésus, ils le voient comme le Fils. Alléluia. Amina. Une deuxième personne. Mais toi et moi. Lakini we na mie. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur pose la question à ses disciples. Parce que l'écriture dit scelle cette oracle. Scelle cette révélation. Mais au milieu de mes disciples. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 28, et dans Marc chapitre 16, dans Luc chapitre 24, et dans Jean chapitre 21, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur. Alléluia. Amina. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Jérémie, les autres Esaïe, Jean-Baptiste qui est revenu, l'un des prophètes. Le Seigneur dit non. Moi, je ne parle pas des autres. Moi, je vous pose la question. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alléluia. Amina. Alors, il y a un Pierre. Sous l'inspiration de Dieu le Père lui-même. Il a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Alléluia. Amina. Le Fils du Dieu vivant. Jésus s'est retourné. Il a dit, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi je te dis que tu es Pierre, mais sur ce roc, toi tu es Petros, mais sur Petra, toi tu es une petite pierre, un morceau de roc qu'on peut soulever facilement. Alléluia. Amina. Le Seigneur n'a pas bâti son église sur Pierre. Il a bâti son église sur la révélation. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les bienheureux. Dites amen à ça. C'est Amina. Vous êtes les bénis de Dieu. Dites amen à ça. C'est Amina. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, réjouissez-vous. Nous ne sommes pas les seuls à prêcher l'évangile. Même les protestants prêchent l'évangile. Les pentecôtistes prêchent l'évangile. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Mais la différence est que nous nous prêchons l'évangile du royaume. Cela inclut toutes les promesses de Dieu à l'intérieur. La mise à jour a été faite. Est-ce que vous aimez la parole? Nous ne prêchons pas seulement la parole. Nous ne sommes pas les seuls.
Les protestants aussi prêchent là-bas. Les pentecôtistes aussi prêchent là-bas. Mais la différence est que nous ne prêchons pas seulement la parole, mais nous prêchons la parole révélée. Dieu nous a inclus lui-même. Comme l'a dit notre berger, nous ne sommes pas à l'extérieur, mais nous sommes inclus dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, s'il y a un peuple ici à Lubumbashi qui se prépare pour l'enlèvement, c'est vous du tabernacle chrétien. Dieu vous aime. Dites amen à ça. Ma soeur, tu es la fille du grand roi. Quel privilège! Qu'est-ce que tu veux d'autre encore? Rien que ça me suffit déjà. Alléluia. Amen. Voyez-vous bien, mes frères, Dieu nous a fait des promesses. Si nous allons dans Psaume 103, écoutez ce que dit la parole de Dieu ici. Psaume 103. La Bible dit, au verset 1er, mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Alléluia. Amina. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, frère, plusieurs ne se sont pas réveillés. La nuit, tous nous sommes endormis. Mais plusieurs ne se sont pas réveillés. Mais à toi et à moi, il a plu à notre Dieu de nous accorder le souffle de vie. L'Écriture dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Bien aimés frères et sœurs, j'ai dit ceci le jeudi. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Le bonheur d'une personne ne repose pas dans le nombre des biens qu'elle possède. Tu peux acheter une maison, tu as acheté le lit, mais tu n'as pas le sommeil. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Tu peux acheter la voiture et tu fais un accident. Tu meurs, tu laisses la voiture. Alléluia. Amina. L'argent que tu as ne peut pas acheter la vie. Et cette vie que nous avons en Dieu, c'est sans argent, sans rien payé. Comment l'avons-nous obtenu? Avec une autre monnaie. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Dans l'Écriture, il est dit que l'argent répond à tout. L'argent de ce monde répond à tous les besoins. Mais il y a des besoins que cet argent ne peut pas répondre. Alléluia. Amen. Mais nous avons un autre type de monnaie. Cet argent-là est plus important que l'argent de ce monde. Alléluia. Amina. C'est un pouvoir d'acquisition. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amina. Avec l'argent de ce monde, nous sommes limités. Mais avec la foi, avec la foi, tout est possible. Alléluia. Amina. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Amina. Au moyen de la grâce. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne les enviez pas. Soyez décomplexés. C'est lui qui est en vous.
c'est le Dieu du ciel et de la terre. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, c'est de lui que je te parle. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu des prophètes. C'est lui le Dieu des apôtres. C'est lui le Dieu de William Branham. Il est le Dieu de Wade de Frank. Il est le Dieu de Pierre Wakalenga Kazadi. Il est mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. Alléluia. Amina. C'est lui l'ami de Lazare. C'est l'ami fidèle et tendre. C'est lui seul qui ne t'abandonnera jamais. Ta famille, tes parents, tes amis t'abandonneront, mais Jésus-Christ est le fidèle. Lazare était malade. Jésus n'est pas venu. On est venu lui dire, mais ton ami est malade. Frère et sœur, toutes choses concourent bien de ce qu'il y a. Il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour que Dieu puisse être glorifié dans ta vie. Lazare malade. Jésus n'est pas là. Il meurt. On vient dire Lazare est mort. Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Allons, je vais le réveiller. Les parents étaient là. Pendant la maladie de Lazare, ils n'ont rien fait. Lazare meurt. Ils ont pleuré. Ils ont cotisé. On a enterré Lazare. Ils se sont arrêtés là. Jésus n'était pas là. Alléluia. Amina. Mais attendez une fois que Jésus arrive. Il a dit maintenant allons là-bas. Frère, quand Jésus arrivait, je puis m'imaginer avec certaines personnes qui se disaient oh, mais ce n'est pas lui qui mangeait à table ici avec Lazare. On a envoyé les gens aller le chercher, il n'est pas venu. Lazare était malade, il n'est pas venu. Pendant le 2, il n'était pas là. On l'a enterré, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alléluia. C'est lui l'ami de Lazare. C'est celui que je vous prêche aujourd'hui. Alors Jésus arrive. Quand ils l'ont vu, ils ont dit non. Il n'est pas un homme sérieux. Alors Jésus dit, où l'avez-vous mis? Est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais prêché dans un deuil? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus n'a jamais tenu un service funèbre. Parce que quand il arrive, la résurrection prend place. Où l'avez-vous mis? Là-bas dans le cycle. Il a dit, moi je suis venu voir mon ami, il doit sortir. Il a pleuré parce que la Bible dit qu'il aimait Lazare. Pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus a accompli cela. Mais après, il s'est redressé les épaules. Il a dit, je te loue, Père. Afin que ceux-ci comprennent que toi, tu m'as toujours exaucé. Ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Frère, un mort de 4 jours. Le corps embaumé. Il était allongé dans le sépulcre. On l'a embaumé. Jésus a dit, Lazare. Frère Branham disait, si Jésus n'avait pas dit le nom de Lazare et qu'il avait seulement crié, tous les saints devaient sortir. Comme il s'agissait de Lazare. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 27, à partir du verset 51, la Bible dit qu'il poussait un grand cri et plusieurs corps de saints sortirent de ce pays. Mais comme il s'agissait de Lazare, ce jour, il a dit Lazare, sort. La parole de Dieu est toute puissante.
Elle est allée sortir Lazare. Personne n'a aidé Lazare. Personne n'a soulevé Lazare. La parole l'a soulevé. Lazare est sorti. Aujourd'hui, l'ami de Lazare est ici. Si vous le croyez, dites amen. Toi, que le monde a abandonné. Le Seigneur a pris les choses viles de ce monde. Alléluia. Amina. Vous êtes des personnes de valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que tout ce qui était mort dans ta vie, au nom de Jésus, que cela reprenne vie. Bien-aimés frères, notre Dieu agit. Il est un Dieu de réalité infaillible. Voilà pourquoi, frère, le Seigneur Jésus, une fois, il est arrivé. Il y avait un homme qui était cloué pendant plus de 38 ans. Il ne pouvait pas se lever. Alléluia. Amina. Le Seigneur est arrivé. Il est passé au travers de beaucoup de malades. Et frère Branham disait, la compassion diffère de la sympathie humaine. Jésus a traversé d'autres malades. Il est allé seulement vers celui qui était malade pendant 38 ans. Frère Branham dit que la compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Et Jésus est amené là-bas. Cet homme lui a dit, je suis cloué ici pendant plus de 38 ans. Lorsque l'ange descend, il agite les eaux de la piscine. Lorsque je veux me jeter, il y a toujours un qui se jette en premier. Jésus lui a dit, tu n'as même plus besoin de te jeter. Parce que la piscine, là n'était qu'une préfiguration. Pendant que tu me vois, je suis la piscine de Bethsaïda personnellement. Donc, lève-toi. Personne ne va te soulever. Lève-toi. Personne ne va aussi soulever ton lit. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Quand il a parlé, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole faite chair, c'est le Seigneur lui-même. Et lorsque sa parole sort, elle ne retourne pas à lui sans effet. Même maintenant, tout est possible. Même maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même maintenant, Jésus est un mystique. Les disciples sont partis. Le Seigneur est allé prier. Il a prié, prié, prié. Il regarde l'heure, la nuit était avancée. Il arrive au rivage. Au rivage. Il n'y avait plus de barque. Il n'y avait plus de barque. Il devait rejoindre ses disciples qui étaient déjà au milieu de la mer. Alors, le Seigneur a posé son pied sur du liquide. Et le liquide est devenu du solide. Jésus commençait à avancer. Les disciples le voyant, ils pensaient voir un fantôme, un esprit. N'ayez pas peur. Tout ce qui arrive, ce n'est pas le diable. Quand ça ne va pas, c'est moi et Dieu. Quand ça va, c'est Dieu et moi. Ne mettez jamais le diable à l'intérieur. Et ils ont vu quelqu'un qui venait. Et lorsqu'ils marchaient, ce ne sont pas les gens qui le soutenaient, mais c'est lui qui soutenait les gens. Parce qu'il est le maître, le créateur. Et ce même Jésus qui marcha sous les eaux, il est au tabernacle chrétien. Alléluia. Amina. Est-ce que vous le croyez qu'il est ici? Est-ce que vous en haut,
là-bas, vous croyez qu'il est là? Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là-bas au balcon. Dites amen au fond là-bas. Dites amen ici. Dites amen ici. Dites amen là-bas. Disons tous amen. Poussez des cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur, comme il a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut vient d'entrer dans ta maison. Aujourd'hui, le salut vient d'entrer dans votre maison. Aujourd'hui, le salut vient d'entrer dans ta vie. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons sur toute ta puissance de lui. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Je vous rendrai comme une forte muraille. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Vous ne manquerez de rien. Alléluia. Même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mort. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Que le miracle arrive dans ta vie maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés. Soyez élevés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Aucune montagne naturelle n'a jamais aidé quelqu'un. Quand on dit je lève mes yeux, Psaume chapitre 121, il ne s'agit pas de montagne de cette terre. Il s'agit de Dieu lui-même. Alléluia. C'est la montagne de Daniel chapitre 2. Une pierre s'est détachée de lui. De cette montagne. C'est la plénitude de la divinité. D'où Jésus est sorti. Il a dit, je suis sorti de Dieu. Et je reviens. Je m'en vais au Père. Alléluia. Amen. Et nous levons nos yeux vers les montagnes. Tournez vos regards vers Jésus. Aujourd'hui, tournons nos regards vers Jésus. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des hommes. Le secours vient du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de tous les sacrifices que vous avez accomplis pour son œuvre. Votre présence ici ne sera jamais vaine. Notre Dieu n'est pas ingrat. Vous oubliez tout ce que vous avez fait pour son œuvre. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque la bataille fait rage, notre Dieu est différent des rois de ce monde. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait le combat entre deux nations, c'était des rois qui se présentaient. Aujourd'hui, quand il y a combat, nos présents sont dans des chambres. Ils contrôlent par téléphone. Comment là-bas? Oui, comment? C'est le peuple seul qui s'en va combattre. Dans la Bible, c'est pas comme ça. Quand Israël combattait, c'est le roi qui se présente. Et le peuple est couvert par l'onction royale, le reste. Aujourd'hui, nos présents, ils sont dans les chambres. Lorsque le combat fait rage, lorsque l'ennemi s'élève, le Seigneur lui-même, le chef de l'armée de l'ennemi, lui-même se place au devant. Oui, Josué l'a vu.
Josué pensait que c'était lui. Il lève les yeux, il voit un homme. Debout. Avec son épée dégainée. Josué s'approche. Il dit, monsieur, présentez-vous. Sinon, je passe sur vous-même. Il dit, qui es-tu? Il le regarde. Il dit, c'est moi. Le chef de l'armée. Quand la bataille fait rage, c'est lui-même qui se met au défi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils viendront par un chemin. Ils s'enfuiront par cet chemin. Alléluia. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Vous êtes des invincibles. Dites amen à ça. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Aussi longtemps que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie, rien ne va t'arriver de mal. David n'est pas encore assis sur le trône. L'ours ne peut pas le dévorer. Le lion ne peut pas le dévorer. C'était l'assurance de David. Il avait la promesse. Samuel avait dit, j'étais un Dieu t'a un roi. Tu vas régner. Et David n'était pas encore assis sur le trône. Même si tu es le lion, tu ne peux rien contre David. Même si tu es l'ours, tu ne peux rien contre David. Même si tu es Goliath, il te coupera la tête. Alléluia. Amina. Aussi longtemps que les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies dans nos vies, la mort ne peut pas venir. Alléluia. Amina. Jésus-Christ est le roi des rois. Est-ce qu'on peut le chanter? J'ai fini la prédication. Que Dieu vous bénisse richement.